Bonjour, je m'appelle Sandra. Je vais vous présenter l'interview de Patrick Lejean qui travaille au service logistique de la ville de Morlaix. Je m'appelle Patrick Lejean. Je m'occupe de tout ce qui est festivités et cérémonies à la ville de Morlaix. Je travaille au service technique, je travaille en ville beaucoup. Je vais aussi dans d'autres communes chercher du matériel. Voilà. J'ai fait un CAP de couvreur en apprentissage qui a duré 2 ans. Après mes 2 ans, mon employeur m'a gardé jusqu'à sa retraite. Du coup, j'ai été 12 ans couvreur. Après ça, j'ai passé un concours pour entrer à la ville de Morlaix. Ils cherchaient un couvreur. Et depuis, je suis à la ville de Morlaix. Depuis le 15 mars 1989, je suis à la ville de Morlaix. Là, j'ai changé de métier parce que le service couverture a fermé. Du coup, ça fait une douzaine d'années que je suis au service logistique. Et le métier est difficile parce qu'on porte beaucoup de charges lourdes. On est toute la journée à porter des charges lourdes. Et du coup, c'est un métier qui est relativement difficile. On transporte des chaises, des tables, des barnums, des tribunes, des barrières de sécurité. Voilà le plus gros du matériel qu'on transporte. Déjà, être physiquement assez costaud déjà, parce qu'on a toujours des charges lourdes à transporter. Et après, bon, être capable de travailler aussi la nuit, parce qu'on nous demande aussi des fois de travailler la nuit après les festivités, de ramasser le matériel, pour pouvoir travailler aussi la nuit. Voilà. Parce que beaucoup de festivités se passent le soir. Du coup, après les festivités, souvent c'est après 1 h du matin, ben, on doit ramasser tout le matériel. Du coup, ben, on travaille beaucoup de nuit. La période la plus chargée, en général, c'est l'été. À partir du mois de juin jusqu'à fin août, on va dire, c'est la plus chargée. Mon salaire, en gros, est de 1 800 € par mois. Merci de votre disponibilité. Merci de votre... Je vous en prie.